Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très bonne journée. Le temps n'a pas été fameux, on l'a bien vu. Hein. Ce 5, voilà, hein, pour tous ceux qui ont le petit journal, ils ont dû voir. Hein. Dans ma première sélection, on avait le quintet en 8 chevaux. Le 7 a été déclaré non partant à la dernière minute. Hein. La petite camionnette lui a rentré dedans. Rarissime. Hein, ce qu'on a vu à la télé, mais en tout cas c'est pour ça que je vous ai dit hein, tous ceux qui ont le petit journal, regardez ma première sélection que je fais à chaque fois. Et bon, après je peux pas toujours faire les bons choix. Bon, dans la vidéo entre guillemets, on a respecté, on a eu le tiercé sur une très longue, on aurait pu l'avoir sur beaucoup plus court. Mais j'ai tenté de privilégier les outsiders. Je n'ai pas voulu mettre voilà, les 6-7 favoris de la presse. Si vous regardez les petites cotes, ça a très bien payé. Bon, on n'a pas vu le 1. J'avais un gros doute pour sa rentrée et son gros poids. Ce que j'avais dit à Xavier hier. J'aurais dû ravancer ce petit 16. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, on a respecté. On a eu le tiercé quand même dans le désordre. C'est... la seule satisfaction aujourd'hui, mais faites très attention, hein, comme je dis souvent dans mon petit journal, ma première sélection que je fais, on n'est jamais très loin du au moins tiers écarté. Là aujourd'hui, il y avait le quintet. Et voilà, à deux doigts, c'était l'ordre. Hein, vous pouvez regarder mon ordre de sélection, j'aurais dû la respecter comme ça, mais j'ai voulu la changer. En tout cas, voilà. On a rempli notre contrat, entre guillemets. On a eu le tiercé aujourd'hui. Demain, on va essayer de faire beaucoup mieux. Je pense que oui. Après, c'est ça, hein, de prendre des risques, à ne pas mettre tous les favoris. Voilà, des fois, ils arrivent, des fois, ils n'arrivent pas. C'est la loi du jeu. Mais bon, comme vous me connaissez, c'est pas moi qui vais aller mettre les 6-7 premiers favoris de la presse dans ma sélection. Il vaut mieux varier, entre guillemets, à mettre des tocards. Le 8, que pas beaucoup de mettez, arrive 5e. Il ne manque que ce 5, mais c'était un adepte du terrain lourd et j'aurais pas cru que le terrain serait aussi lourd. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites surtout vos jeux 15 minutes avant la course, car le terrain était devenu très lourd et du coup, bah, ça a avantagé ce 5 qui finit à la 4e place. Alors, c'était aujourd'hui le mardi 27 septembre à Compiègne, réunion à course 1, départ a lieu à 13h50, c'était des haies. 3800 mètres, et du coup, il y avait deux non-partants, le 15 et le 7, donc ils étaient plus que 14. Alors, l'arrivée était 3, 16, 10, 5 et 8. On a le 3, le 16, le 10, le 8. Il ne manquait que ce 5. Donc, je vous donne quand même le tiercé. Mon cheval de dernière minute, le 3, gagne la course. Et mon coup de poker, le 8, finit 5e à Bellecote. Voilà. Et on avait aussi le 6e qui finit au port du quintet, le 2. Voilà. En tout cas, on a respecté, hein, comme je dis, nous, ce qu'on cherche, c'est les tiercés, les multi, les 2 sur 4. Voilà. Mais, voilà, j'aurais dû mettre ce 16 plus haut. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est les choix. Mais c'est surtout, c'est pour ça, faites très, très, très attention. Hein, si vous voulez changer l'ordre ou mettre des chevaux que moi, j'ai pas mis à la place d'un autre, n'hésitez pas. Alors, pour demain, mercredi 28 septembre. On ira via réunion en course 1, départ à 13h50, 3475 mètres, 16 partants, et ce sera la grande étape du GNT. Alors, en tête de ma sélection, je vous ai mis le 5 Fakir de Maé de Mautier. Je vous ai mis le 11 Farel 7 de Jean-Michel Bazir. Je vous ai mis le 9 Erdelios de François Lagadec. Le 13 Écho de Champlucy de Tony Le Belair. Le 3 Eddy du Pomereux de David Thomas. Le 12 Fréja Dupont de Nicolas Bazir, faites très attention à lui. Hein. Le 2 Girolamo de Lérété. Et le 7 Destin Carisé de Pierre-Yves Verva. Et en canon partant, je vous ai mis ce 14 Fairplay d'Urzy de Romain Congar. Vous avez vu, je n'ai pas mis le 14, hein, qui est 14 et 16, hein, qui sont cités. Dans les 5 premiers favoris de la presse. Donc voilà, ce sera toujours mon style de jeu, d'éliminer si possible,
Après, il y a des moments où on ne peut pas éliminer parce qu'ils sont tous très bons. Mais là, voilà, j'ai fait un choix d'éliminer le 14, le 16 et je n'ai pas mis le 10. Je pense que ce sera lui plus un outsider, mais j'ai préféré mettre mes petits outsiders comme le 3, le 2, le 7 et aussi le 9 hein, qui risquerait d'avoir une belle cote. Donc je répète ma sélection, le 5, le 11, le 9, le 13, le 3, le 12, le 2 et le 7. Et en cas de partant, le 14. Le 12, je l'ai mis un petit peu trop bas, donc n'hésitez pas vous à le mettre. Lui, demain, bon, il ne va pas avoir une grosse cote, mais il peut créer une petite surprise. Comme on dit, un Bazir peut en cacher un autre. Pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier. Alors là, je vous ai mis le 5, Fakir de Mahé de Mautier. Le 11, Farrell 7 de Jean-Michel Bazir. Le 9, Erdelios de François Lagadec. Et le 13, Écho de Champ-Lucie de Tony Le Belair. Je répète les 4 chevaux avec Xavier. Le 5, le 11, le 9 et le 13. Allez voir la vidéo de Xavier si vous voyez des chevaux en commun. Comme d'habitude, vous les prenez en base. Soit pour des couplets gainons placés, tout dépend combien on en a. Soit pour des bases de 2 sur 4, tiercé, quinté, quinté ou multi. Après, vous faites vos jeux comme vous le souhaitez avec le reste de notre sélection ou avec vos chevaux. Alors, je sais que je répète souvent, mais il y en a qui jouent juste avec nos 4 chevaux de moi et Xavier. Donc, c'est pour ça. Et comme il y a des nouveaux, voilà, c'est pour que ils comprennent un petit peu. Pour la vidéo de dernière minute, je vous ai mis ce 5, Fakir de Mahé de Mautier. Ce 13, mon coup de cœur, l'écho de Champ-Lucie de Tony Le Belair. Et mon coup de poker sera ce 9, voilà, Erdelios de François Lagadec. Et mon spécialiste sera le 3, Eddy Dupombreux de David Thomas. Donc je répète, mon cheval de dernière minute sera le 5, mon coup de cœur le 13, mon coup de poker le 9. Et mon spécialiste sera le 3. Je répète ma sélection. Le 5, le 11, le 9, le 13, le 3, le 12, le 2 et le 7. Et en canon partant, le 14. Alors, je sais que je répète, c'est pour ceux. On m'a dit que des fois, j'allais trop vite. Donc, c'est pour ça que je répète, pour que les gens, s'ils veulent noter sur un papier, voilà, les numéros, ainsi de suite, vous pouvez. Après, ceux qui ont petit journal, ils n'en ont pas besoin parce que le récapitulatif est directement dessus. Voilà mes deux chevaux préférés. Bon, c'est le 5 et le 13. Hein. Je ne vais pas vous mettre le 11. Hein. Le 11 qui reste sur beaucoup de victoires. Mais bon, à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, faites très attention. Prenez vos précautions. Faites un ticket avec, un ticket sans. Comme d'habitude avec les Bazirs. Et là, Bazirs, ils en mettent 3. 4. Donc, bon, le 8, il n'a rien à voir. Le 14, il est très confiant. Moi, je ne l'ai pas mis, mais bon, comme vous savez très bien, hein, quand un entraîneur en met plusieurs, il vaut mieux jouer celui qui est moins donné. Moi, je ne l'ai pas fait. Là, j'ai fait des choix. J'ai préféré mettre ce 2, ce 7 et ce 9 comme outsider. Ce Romain Congar, je le respecte. C'est un bon jockey. Mais je me dis que Jean-Michel Bazir aurait pu appeler un Alexandre Abrivard, qui a l'habitude, Christophe Martens, ou un autre. Voilà, il a préféré donner à son lad. Après l'expérience des courses, ça y fait beaucoup. Donc j'ai misé, moi en tout cas, sur ça. Voilà les amis, en tout cas, merci beaucoup. Tout le nombre de messages, tous les pays, merci encore. Je vous remercierai jamais assez, hein, je le ferai sur chaque vidéo, c'est normal. Vous êtes des fidèles abonnés depuis que j'ai commencé déjà bientôt il y a un an. Ce sera au mois de novembre, ça fera un an. On a atteint déjà les 9300 abonnés. J'aurais jamais cru en moins d'un an avoir autant d'abonnés. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de surtout votre famille. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Et n'hésitez pas, au fait, j'ai oublié, excusez-moi, mettre des pouces, c'est gratuit. Sous la vidéo, vous cliquez sur s'abonner si vous n'êtes pas abonné, la petite cloche. Partagez mes vidéos. Pour tous ceux que ça n'intéresse pas mes vidéos, surtout, vous cliquez sur se désabonner. Vous enlevez la cloche, comme ça laisse la place pour les autres. Voilà, allez, un petit pouce. Allez, bye bye.